Le Super Bowl 2023 offrira du grand spectacle à la fois aux amateurs de sport, mais aussi de musique, puisque la finale de football américain signera aussi le grand retour de la chanteuse Rihanna. Il ne reste que quelques jours avant la grande finale du football américain, plus communément appelé le Super Bowl. Pour son édition 2023, l'événement oppose les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City. Deux équipes de légende qui, cette saison, ont montré leur supériorité avec 16 matchs remportés contre seulement 3 perdus. Mais surtout, le Super Bowl est l'occasion d'audiences incroyables, dépassant régulièrement les 100 millions de téléspectateurs à la télévision américaine. Des publicités événements et le retour de Rihanna a attendu un événement phare, qui signe aussi de véritables records en termes de prix pour les spots publicitaires, faisant rivaliser ceux qui s'y risquent avec des réclames toujours plus ingénieuses, comme celle qui a mis en scène le duo culte de Breaking Bad. En France, CIST l'équipe qui diffusera en clair le Super Bowl 2023 dès 23h55 dans la nuit de dimanche à lundi. Côté chaîne payante, beIN Sports sera une nouvelle fois au rendez-vous. Comptez ensuite environ 4 heures de match, en comptant la mi-temps. La mi-temps qui sera également l'un des événements du week-end avec le grand retour de Rihanna dans la musique. L'artiste devenue papesse de la mode et des cosmétiques va en effet se produire durant le célèbre Halftime Show, célébrant ses titres les plus cultes. Les fans espèrent également de nouvelles chansons, tandis qu'un album, ainsi qu'une grande tournée internationale, devrait être dévoilé dans la foulée. Une pluie de trailers inédits durant les nombreuses pauses publicitaires, certains studios de cinéma en profiteront pour dévoiler de nouveaux trailers de leur prochaine grosse production. Sont attendus La Petite Sirène, le film live de Disney, mais aussi Dune, partie 2, Indiana Jones et le cadran de la destinée, et surtout, le nouvel épisode de la saga Hunger Games. Avec un programme aussi chargé, la finale de football américain est donc un événement à ne surtout pas manquer, même s'il faudra se coucher très tard pour en profiter pleinement. À lire aussi Breaking Bad, Bryan Cranston et Aaron Paul se retrouvent. Dans une publicité pour le Super Bowl 2023.